Bienvenue. Cette année, notre saison fut incroyable. Seulement 2 défaites et des performances incroyables de tous nos joueurs. Effectivement, Charles, nous pouvons être très fiers de l'implication et du travail de nos joueurs. Charles Villemaire, entraîneur-chef. Et Vincent Lemieux, assistant entraîneur de l'équipe. Commençons sans plus tarder avec la première catégorie. Le trophée Hart, remis au meilleur joueur de l'équipe. Les nommés sont Étienne Dubé, Alexis Ballon-Meloche, Alex Grobig-Villemaire. Avec un tir foudroyant, le gagnant, Étienne Dubé. Le trophée Calder, remis au joueur qui a su démontrer des qualités exceptionnelles durant sa première saison. Les nommés sont Derek Lavigne, William Labillaberge et Félix Godard. Avec une saison au-dessus des attentes, le gagnant, Derek Lavigne. Le trophée Ben Masterton, remis au joueur ayant démontré le plus de dévouement envers son équipe tout au long de l'année. Les nommés sont Elliot La Brute Fex, Jordan Joe Lupien, Benjamin Ben Grenier. Malgré une blessure importante, le gagnant Jordan Joe Lupien. Le trophée Vézina, remis au meilleur gardien du circuit et des pionniers cadets. Les nommés sont Fern, des Boys, Denis Lemieux, des Chiefs et Alex Big Villemaire. C'est après une chaude lutte et un recomptage que le gagnant ce soir est Alex Big Villemaire. Hey, salut, tag tes amis. Le trophée Maurice Richard, remis au joueur ayant compté le plus de buts durant la saison régulière. Les nommés sont Étienne Dubé, Alexis Ballon-Meloche, William Labillaberge. Démontrant de la détermination tout au long de l'année, le gagnant Alexis Ballon-Meloche. Le trophée Reggie Dunlop, remis au joueur entraîneur, celui qui coach plus que les coachs. Les nommés sont Elliot La Brute Fex, William Labillaberge et Justin Sauvé. Le gagnant, William Labillaberge. Le trophée Norris, remis aux joueurs ayant démontré les meilleures capacités défensives. Les nommés sont Raphaël Ralph Gagnon-Poulin, Édouard Meloche, Xavier Brouillette. Avec son sérieux et son calme, le gagnant, Xavier Brouillette. Le trophée Piqué Subin, remis aux joueurs ayant toujours du style, cheveux, barbe, habits impeccables. Les nommés sont Édouard Meloche, Ulrich Beaublon-Campo et Félix Godard. Arborant son plus beau veston ce soir, le gagnant, Ulrich Campo. Le trophée La Brute, remis au joueur qui est toujours prêt pour une petite mêlée devant le but, peu importe la grosseur de ses adversaires.
Les nommés sont Elliot Fex, Alex Big Villemer, Justin Sauvé. Toujours prêt, le gagnant, Elliot Fex. Le trophée King Clancy, remis au joueur qui démontre son leadership par son attitude sur la glace et hors glace. Les nommés sont Xavier Brouillette, Benjamin Ben Grenier, Ulrich Beaublanc-Campo. Leader incroyable, le gagnant, Benjamin Grenier. Le trophée Lady Bing, remis au joueur avec le meilleur esprit sportif. Les nommés sont Félix Godard, Nathan Sénécal, Alexis Meloche. Toujours positif, le gagnant, Félix Godard. Le trophée Tranquillou. Yo man, y'a pas de stress. Les nommés sont Édouard Meloche, Justin Genesi Jeunesse et Raffi Gagnon-Poulain. Bien étendu dans le confort de son salon, le gagnant, Édouard Meloche. Le trophée Ted Lindsay, remis au joueur ayant démontré une grande polyvalence. Les nommés sont Nathan Sénécal, Jordan Joe Lupien, Raphaël Ralph Gagnon-Poulain. Ailier, défenseur, préposé au bâton, le gagnant, Raphaël Gagnon-Poulain. Le trophée Marc Lauzon, on lui explique au tableau, on lui répète, puis il fait pas la drill comme faut. Les nommés sont Édouard Meloche, Justin Jeunesse Genesi et William Labi Laberge. Attends, oui, on me signale à l'oreille que le gagnant de cette catégorie n'aurait pas bien compris la signification du trophée. Malgré tout, ce soir, le trophée sera décerné à Justin, le trophée Call-up de l'année, remis au joueur ayant apporté son support à l'équipe. Les nommés sont Matt Desmarais, Nathan Sénécal, Nolan Béliveau. Le gagnant, avec brio, Nathan Sénécal. Trophée le solide, remis au joueur qui ne laisse pas sa place dans le coin le long de la bande. Les nommés, Justin Sauvé et Ulrich Beaublanc-Campo. Preuve que la grandeur n'a pas d'importance, le gagnant, Justin Sauvé.